Allez, salut à tous, on se retrouve pour le talk show du fausséen.fr pour bien évidemment parler de cette nouvelle contre-performance des Olympiens. Ce soir, autour de la table, j'ai le grand plaisir d'accueillir Christophe Champy. Salut Chris. Salut, salut à tous. On est très fiers également de vous présenter celui qui a obtenu la belle récompense du meilleur article de la part de l'UJSF. Donc, L'Union des journalistes sportifs qui chaque année décerne un prix au meilleur article de la région. C'est après région, on va pas commencer à s'enflammer. Enfin, c'est derrière, après c'est comme les Miss France, ouais. Après, tu vas disputer la catégorie. Voilà, après donc, le Pulitzer et après c'est ça. Après il y a l'article mondial. Non mais bravo. Mais bravo. Merci. J'ai jamais fait de passer Chris. Merci Seb. Bah, si je peux te missionner auprès de mon patron pour l'augmentation, ça peut être sympa ça aussi. Ça va, j'irai lui parler. J'irai lui un petit mot, mais on n'en a pas dit que du bien. Donc Maxence Volpe est là aussi. Salut Max. On va s'appuyer sur tes analyses forcément pour comprendre qu'est-ce qu'il se passe du côté de l'Olympique de Marseille actuellement. Salut à tous. Et vous l'avez reconnu, Pancho Abbandonado, ça c'était de l'âme, ça c'était du guerrier, il n'y en a pas sur la pelouse. Du viking. Il n'y en a pas sur la pelouse, alors on l'a fait venir sur le plateau, comme ça nous rappelle des bons souvenirs. Salut Pancho. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On reçoit des retraités. C'est faut ça. Faut penser aux personnes âgées. Donc c'est ça. Mais en même temps, nous, tu le sais, on fait dans le social. Donc, on reçoit les joueurs qui cherchent des clubs ou ceux qui sont retraités. Nous, c'est notre politique, c'est comme ça. Bien sûr. On est super sympa. Bon, messieurs, trêve de plaisanterie. L'Olympique de Marseille mené face à Gladbach s'est fait rejoindre. L'Olympique de Marseille mené face à Nice s'est fait rejoindre. Ils vont nous faire ça toute l'année ou quoi, Christophe? Ben, j'espère pas, parce que ça ferait assez peu de points. Le match nul ne paye plus hein, depuis quelques années avec la victoire à 3 points. Tu l'as dit, contre les Allemands, contre Nice, même chose. On se fait rejoindre. Gros problème défensif, ça, on pourra peut-être en parler avec Pancho, qui est un spécialiste de la défense centrale notamment. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de déceptions parce que c'était 2 points qui nous tendaient les mains. Autant le match de contre les Allemands, bon, on peut dire que c'est la Coupe d'Europe, c'est un petit peu différent. Là, c'était un match important, d'autant que Lyon a calé. Donc, on pouvait prendre 2 points supplémentaires sur Lyon, malheureusement, et Paris qui a calé également. Je pense que Bob et nous aussi, on est en train de découvrir de sérieux problèmes en défense à Marseille. Problèmes qui n'existaient pas, alors peut-être qu'ils existaient mais qu'il n'y avait pas de conséquences lors des 6 premiers matchs où tout allait si bien, où Marseille gagnait tout. Là aujourd'hui on commence à voir des grosses fautes, des gros trous dans la défense et c'est assez inquiétant. Alors Pancho Abbandonado, bien évidemment, pour les plus jeunes d'entre vous, ancien Olympien, comme je vous le rappelle. C'est vrai, il n'a pas 70 ans. Même les jeunes. Tu as retraité. À 34 ans. Pancho, toi qui as été donc professionnel, bien évidemment. Comment tu expliques que lorsque le jeudi, lors d'une compétition européenne, l'équipe se fasse rejoindre et qu'on ne tire aucun enseignement, que le dimanche, bis repetita, on revive encore les mêmes situations? Ça ne met pas du plomb dans la tête, comme on dit, ça ne donne pas de l'expérience quand même de vivre ces situations? Oui, c'est en faisant des erreurs qu'on acquiert de l'expérience. Mais il faut dire aussi que l'effectif de l'OM n'est pas long, on va dire. Le banc n'est pas assez, ouais, assez très profond. Et quand on voit la composition de l'équipe de Marseille ce dimanche, c'est pratiquement l'équipe type, quoi. Et à un moment donné, quand on ne fait pas tourner ou quand on fait peu souffler, les articulations sont lourdes et les efforts se font moins chaque fois que la minute avance, on va dire. C'est pour ça qu'ils ont été rejoints contre Mönchengladbach et puis contre Nice vraiment à la fin. Tu mets ça sur le compte du physique, toi? C'est pas plutôt des erreurs, un problème d'organisation? Enfin, c'est toujours compliqué. Oui, il y a un peu de tout. Un peu de manque de concentration, après un peu la fatigue qui se met en jeu, après se disent on est 2-1, le match est fini. Il y a un peu tout qui se met, mais bon, il faut tirer ça sur le compte de la fatigue parce que bon, c'est quand même des joueurs de haut niveau, il ne faut pas l'oublier. Et les erreurs font grandir et j'espère que ces 2 matchs-là nous serviront pour grandir dans les prochaines semaines. L'hypothèse du physique, c'est vrai qu'elle est bonne aussi, elle tient vraiment la route parce qu'au-delà de cette égalisation en fin de rencontre, il y a quand même une première mi-temps très très bonne et à côté de ça, une seconde mi-temps où tu reconnais pas l'équipe, quoi. Même si Nice se crée des occasions, c'est surtout moi ce qui m'a gêné en seconde mi-temps, c'est qu'on a plus réussi à animer cette partie, à se créer des occasions. On n'a pas reconnu l'équipe. Donc forcément, tu vois, le physique, Elibov disait là juste
quand je venais, j'écoutais à la radio. Bah, tu peux le dire, hein, chez nos confrères de France Bleu. Je te laisse le dire à chaque fois, tu le dis si bien. De l'émission du Club Foot Marseille, donc ils ont reçu Eli Bop avec Fabrice, avec Babou, hein, en tant que consultant. Et avec René. Et avec René, bien évidemment. Et il précisait justement que, ce que tu étais en train de dire, hein, qu'il n'avait pas assez de bancs et qu'il, même s'il avait fait sortir Nkoulou, même s'il avait reposé Valbuena, il se retrouvait à ne pas pouvoir faire tourner autant l'effectif qu'il voulait. Et forcément, il y avait de la fatigue derrière. Mais je sais pas, moi, le moment qui m'a fait le plus peur, c'est la reprise. C'est-à-dire que autant à la fin, c'est vrai que c'est rageant cette égalisation, mais la reprise, c'est-à-dire qu'on sort d'une première mi-temps aboutie, il y a eu des occasions, il y a eu du jeu. La fameuse fluidité qu'espérait tant Eli Bop, c'est-à-dire on a vu du jeu à une touche de balle, ouais, on a vu des trucs, c'était pas mal. Et on reprend le vide total. C'est-à-dire que. C'est ça, on a l'impression que cette équipe elle est capable de faire qu'une mi-temps. Mais vous êtes là pour essayer d'apporter des réponses. C'est vrai, il y a ce but de Nice, donc on ne sait pas si le ballon a franchi la ligne ou pas. Et puis derrière, on a l'impression que l'OM sympa dit bon, on va laisser Zvitanić. Mais je pense que mentalement, c'est difficile. Honnêtement, c'est bête ce que je vais dire, mais c'est difficile de rentrer à la mi-temps. C'est bête ce que tu dis. Tu reviens en seconde mi-temps, mais on est contre tout ce qu'on a fait. Je suis d'accord. C'est ce que dit Fanny, c'est-à-dire que ça a gueulé dès la mi-temps. Ça a gueulé à la fin du match dans le vestiaire, mais ça a gueulé aussi à la mi-temps. Dire que c'était pas des plus sereins. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Max, sauf que si l'Olympique de Marseille avait ouvert rapidement la marque, admettons, tu vois, et après n'arrive pas à enchaîner les occasions, n'arrive pas à concrétiser les autres occasions et se retrouve à la mi-temps 1-0, il y aurait ce sentiment de frustration. Or là, tu t'es buté contre la défense, c'est justement à la toute fin que tu arrives à ouvrir. Ouais, donc, t'as pas buté. C'est toi qui as buté à côté. Qui le reconnaît lui-même. Pancho, c'est deux têtes ratées de Bruno Chéreau, de Benoît. On va en reparler. Notamment la deuxième. C'est peut-être des têtes de Bruno, ça serait expliqué. Il y a des choses qui s'expliquent pas. Ça va être forcément la polémique. Messieurs, vous le savez, cette émission est interactive. Vous pouvez poser vos questions via le Facebook ou le forum. Massilia Mars nous dit, le problème de l'OM n'est-il pas mental? Je pense que l'on recule car on n'a pas à la tête de l'équipe un aboyeur qui nous permet de lutter jusqu'au bout. C'est bien la technique de l'aboyeur, c'est bien, mais bon, on sait que c'est quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. Par contre, ce que tu as aussi dans l'effectif, si tu n'as pas d'aboyeur, si tu as ton gardien qui est capitaine, c'est preuve que tu n'en as pas. Ce que tu as d'aboyeur. Oui, parce que le sens de ta phrase, on aurait pu mal interpréter. Non, d'aboyeur. Par contre, ce que tu as dans ton équipe, c'est des joueurs qui sont capables de conserver le ballon. Ce qu'on avait dit pour Mönchengladbach, il y a Jordan Ayew, c'est un mec qui va à un poteau de corner, regarde, il a une technique qui fait que... Tu en as un autre dans l'équipe qui s'appelle Morgan Amalfitano. Encore une fois, c'est quasiment ton premier changement. C'était ton premier changement contre Mönchengladbach. À la place, tu fais rentrer des gens qui sont vifs, d'accord, mais qui n'ont pas cette capacité de conserver le ballon, de donc savoir mettre le pied dire dessus. Tu veux dire que Eli Bop a encore fait un mauvais coaching? Non, je dis que quand tu gardes Morgan Amalfitano sur une pelouse, que tu le mets en haut, il peut garder le ballon et compagnie, et là, tu le tues le match. Quand on dit on sait pas tuer les matchs, faut pas non plus regarder que du côté des joueurs. Oui, quelque part, je mets la faute aussi sur Eli Bop. Ce qu'il y a dans les matchs comme ça, c'est des matchs au couteau. Parce que contre Nice, ça a toujours été une rivalité. Il y a toujours un engagement qui va au-delà. Ceci étant dit, Pancho, sans vouloir faire offense aux Niçois, c'était assez faible sur cette première mi-temps. Bien sûr. Mais ce qu'il y a, c'est que la mentalité niçoise, ça fait des années qu'on l'a inculquée. Elle a toujours été comme ça. C'est-à-dire que même si on perdait 2-0, il restait 5 minutes, on allait à l'abordage, on se battait. C'est ce qu'ils ont fait à la fin du match. Mais c'est vrai que le rôle de l'aboyeur, comme le dit si bien, c'est vrai qu'il est important. Et je pense que Barton peut le faire. Il sait le faire, il l'a déjà fait. Et c'est un gars qui va énormément porter. Pourquoi? Parce que quand il va voir que l'équipe ne va pas bien, puisqu'il a une expérience, bien sûr. Mais quand il va voir que l'équipe ne tourne pas et qu'il mène au score, c'est là qu'il va envoyer, comme on dit chez nous, les pieds, qu'il va arrêter le jeu, il va faire des obstructions, il va s'embrouiller avec un joueur à droite, à gauche, ça va. Il va pourrir le match et ça va servir à Marseille de récupérer parce qu'ils sont dans une période où ils tirent sur les organismes, ils n'ont pas assez de joueurs. Eli Bop et José Nigo font ce qu'ils peuvent avec les joueurs qu'ils ont. Et des joueurs comme ça va leur énormément leur servir pour la saison. Même le fait qu'ils ne parlent pas français, tout ça, tu penses que ça posera pas de problème? C'est plus leur attitude qui va montrer l'exemple. Exactement. C'est vrai que je préfère moi un gars qui agit, qui parle. Ouais, alors, tu sais, j'ai dit exactement la même chose que toi lors de la troisième mi-temps, juste après matchs sur France Bleu Provence, on débrief juste la rencontre à chaud. J'ai dit exactement la même chose que toi, sauf que un des forumers qui s'appelle Aïssi Tupego m'a fait remarquer que Barton était là face aux Allemands, ça n'a pas empêché l'OM de se faire rejoindre 2-2. C'est une bonne remarque.
Oui. Je suis d'accord, mais les matchs ne se ressemblent pas. Exactement. Puis Saint-Martin aussi aujourd'hui qui n'a pas, qui a pas le coffre, qui n'a peut-être pas le physique. Pas la légitimité pour, aussi, voilà, quand il fait un match par mois. Moi, j'ai vu par contre plusieurs fois, pour l'anecdote et pour rester dans le sujet, j'ai vu plusieurs fois Eli Bob se retourner vers Nkoulou et lui demander très clairement de prendre un petit peu plus les choses en main en faisant. Et derrière, on voyait bien la réaction d'Nkoulou qui essayait. Donc, il faut aussi que certains se fassent violence et forcent un peu leur caractère. Parce qu'il y en a qui l'ont le caractère, mais tu peux aussi le devenir, comme tu dis, par la légitimité. Nkoulou, aujourd'hui, est quand même le patron de la défense. Il est dans le creux, quand même, Nkoulou. Non, je le vois moins. Bon, on voit moins tous les joueurs, de toute façon, par rapport au début de saison, évidemment, quand ils gagnaient tout. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, toi, le défenseur central. Ce qu'il a, c'est qu'il faut voir déjà l'âge qu'il a. Ouais, il est jeune, c'est vrai. Très très jeune pour jouer à un club comme Marseille. Ça fait une année et demie qu'il tient la baraque, on va dire. Et il ne faut pas trop lui demander déjà qu'il fasse son travail. C'est déjà bien. C'est vrai qu'il faut qu'il prenne ses responsabilités. Ça va lui faire grandir encore plus. Mais un gamin, parce que c'est un gamin à 21 ans, lui dire prends tes responsabilités, il faut que tu prennes la charge de la défense. Il joue avec l'équipe du Cameroun, l'équipe d'Afrique. J'imagine que c'est pas évident. Je pense qu'on occulte, Nkoulou, ce que tu dis, il faut pas trop lui en demander. Je pense qu'à Marseille, il y a un truc dont on se rend pas compte. Ce qu'on disait la dernière fois, c'est sa situation au Cameroun. Il était capitaine, il l'est plus. Il y a beaucoup de problèmes dans sa sélection. Il faut en prendre compte. Justement, il était capitaine, donc ça veut dire qu'à un moment donné, on lui a déjà donné beaucoup de responsabilités. Il est bon. Il faut qu'il tienne la main. Très compliqué. C'est-à-dire qu'il était capitaine parce qu'il était issu d'un certain clan et pas d'un autre. C'est très compliqué. Et cette situation, c'est vrai qu'on n'en prend pas assez compte pour dire que si son début de saison est perturbé, c'est qu'il vit aussi une situation pas facile. Allez, on va se quitter quelques secondes. On va revenir pour parler de la polémique de la semaine avec le cas Benoît Chéroux. Est-il dans la tourmente actuellement ? On se quitte pour une petite publicité et on se retrouve juste après.